Donc, couleur argent, ce sont pour les adjoints, et la couleur or, c'est pour le maire. C'est pas du vrai or, hein. Vous seriez déçus. C'est même pas du métal, c'est du doré. C'est du doré. Et on met le bleu, Jean-François et moi, donc sur l'épaule droite et sur la hanche gauche. C'est facile à retenir. C'est comme si, et ça vient de là en plus, hein. C'est comme si on avait une épée. À l'époque, vous savez, des chevaliers, la Révolution, tac, on avait l'épée, et l'épée on la portait à gauche parce qu'il était interdit de la mettre de l'autre côté. Parce que l'épée, on ne la portait qu'avec la main droite, avec la dextre. Et la sénestre était interdite. Donc, à un moment, les chevaliers étaient tous droitiers. Et les gauchers étaient contrariés. C'est ce qu'on appelait les gauchers contrariés. Et ça a continué aussi. Enfin, ça, c'est pour l'anecdote. Donc, si on se trompe, c'est pour ça qu'on vous le dit, parce que tout à l'heure, vous allez poser. On met donc l'écharpe sur l'épaule droite, le nœud sur l'épaule gauche, comme si vous dégainiez une épée. Et la couleur bleue, qui est à l'intérieur.